Bonjour à toutes et à tous. Je suis Père Paul, le père orthodoxe de la communauté orthodoxe roumaine, dans la région de Luxembourg. On parle de la thème de cette période de prière écuménique. Le mystère de l'Église du Christ est aussi le mystère de la fécondité spirituelle dans le Christ. Je suis la vigne, dit Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le sarmen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là même portera de fruits en abondance. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui vous avais choisi et institué pour que vous allez, que vous portez de fruits et que votre fruit demeure. Jean 15, 5 et 16. Mettons ainsi en lumière le mystère de la fécondité spirituelle comme mystère de la maison de l'Église dans le monde. Le saint apôtre Paul appelle les chrétiens collaborateurs de Dieu. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3 avec 9. Ainsi, cette coopération d'homme avec Dieu est cultivée dans l'Église parce que l'Église est une icône de la communion et de la coopération dans la Sainte Trinité. Les dons que le Christ donne à chacun portant des fruits, car notre coopération avec le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité et d'amour. Et les fruits du Saint-Esprit dans la vie de l'Église et dans la vie des chrétiens sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, avec 22, et affirme que la fécondité en Christ est donc d'abord et avant tout la fécondité dans le Saint-Esprit. La fécondité se produit à la maturité et est en quelque sorte l'accomplissement. En ce sens, recevoir le don de Dieu et les cultiver donne à voir le donateur. Les fruits de l'Esprit dans la vue du croyant relevant la communion qui l'unit à son Dieu. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale de remercier Dieu. Avec respect, rendons grâce à tout le don accordé à notre Église. Remercions tous ceux qui nous ont aidés à faire fructifier ce don. Clergé et peuple de Dieu, berger et pasteur, père et fils spirituels, frères et sœurs dans le Christ Jésus. Amen.